Alors salut les amis, c'est Nobru, c'est la deuxième partie de la vidéo aujourd'hui avec Yayou et avec moi toujours Super Nono. Voilà, j'espère que vous allez bien, on est toujours à la plage, base de loisirs de rêve, lac de rêve, incroyable. Je vous laisse découvrir ça en vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me fera plaisir. L'eau est quand même transparente, vraiment jolie. Qu'est-ce que t'en penses toi? Hein? Et you? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, tu vas y aller dans la flotte. On attend un petit peu. Je voudrais des pouces bleus pour Aya parce que quand elle va aller dans l'eau, ça va être trop marrant. La pauvre. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été. Et la première fois qu'elle a été, c'était l'année dernière. Donc du coup, je suis pas sûr qu'elle ait changé son mode pédalo de nage. Eh bien, bon là c'est l'après-midi aujourd'hui. Du coup, il y a un peu plus de monde que prévu. Mais il y a toujours des endroits, les amis, pour que ça soit un peu plus paisible. On est déjà sur une température assez importante. Donc bon, je vais aller avec Caillou. Me baigner quelque part, je sais pas où, on verra. Là où nous emporte le vent, comme on dit. On a un petit colvert ici, et si vous voyez au loin, il y a des espèces de petits voiliers, petits bateaux. Ils sont pas thermiques, hein. Je sais pas comment ça fonctionne, je crois pas. Ils doivent être électriques. C'est sympa, on a été avec Django la dernière fois. Allez, on continue la balade. Viens. C'est bien, tiens, il y a un poisson là. Quelque chose qui est remonté à la surface. Allez, attire pas, attire pas. C'est pas évident de filmer. Ce qui est bien avec la longe, c'est que je peux lui laisser du mou facilement et la récupérer facilement. S'est posé un petit peu là tranquillement le temps que Aya elle sèche un petit peu. C'est pas le même poil que Django, mais c'était cool. On a bien profité. Elle a fait le moulinet, m'a griffé dans tous les sens. C'est un truc de fou. Il y avait des colverts à côté. Elle est vraiment dans la nature, quoi. Là, Aya, voilà, c'est bien. Elle est déjà presque sèche. Hein. C'est qu'il fait super chaud. Et on a nagé au moins une bonne vingtaine de minutes. Oh, elle est folle. Ça y est, elle est folle. Oh là là. Ah, ma fifi. Elle est folle. Oh là là. Ah oui. Petit quart d'heure de folie. Oh, putain. Voilà. Eh bien, ma fille. Eh ben. Hop là. Ah, c'est pas mal. Vas-y, vas-y, vas-y. Yep. Monte. Monte. Elle est trop folle. Elle en fait plus la chienne. Eh, mais tu as un goût d'algue. Je ne sais quoi, mais
pour ça que Django tout à l'heure il nous a reniflé, parce que en fait Aya le reniflait Django parce qu'il avait une odeur bizarre. Ça doit être le lac, il y a des algues et des poissons. En tout cas l'eau elle est bien cristalline, bien propre et tout, hein. J'ai fait plusieurs bases de loisirs et tout, franchement c'est nickel quoi. T'es prête? Tu veux monter ça? Tu montes. Tu montes. Vas-y, 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 vas-y. Oh, elle y arrive, hein? C'est bien ma fufu. Et par contre, il faut redescendre par le toboggan là. Oh là là. Oh putain. Yayou. Attends. Moi je veux bien tester, mais je suis pas sûr qu'elle soit d'accord, les amis. Alors j'ai des pouces bleus. Pour ma fufu et moi. La descente de l'enfer. T'es pas prête. Moi, je crois que Aya aime le toboggan. Bon, tout à l'heure la descente était un peu trash, mais là ça va, il est plus petit. Il est pour les petits gabarits de chien et pour les petits enfants. Tu viens, tu descends. On est avec Ayou, toujours. Attends, c'est un chemin, mais je m'y attendais pas du tout. Regardez-moi ce pont, ces couleurs, ces nénuphars. Mais sérieux, mais il n'y a rien de mieux que trouver des petits spots et des petits coins comme ça en y allant à pied. En plus, mon camping-car, il est bien allant, bien aéré dans tous les sens. Là, j'ai aillé, il n'y a aucun problème. Oh, c'est trop cool, les amis. Mais regardez-moi cette couleur. Ça, c'est une poule d'eau, je crois. Mais ça tape, mais c'est magnifique. J'ai trouvé un autre spot encore. Je vous emmène de suite. Restez connectés. Mais les amis, sérieux, je trouve des spots que je n'ai pas trouvé tout le long de ma vie, que je cherche ou que je ne cherche pas. Voilà, on voit le pont en bout que je viens de filmer. Regardez-moi ça. Là, il y a du sauvage. C'est des vieux ponts, ça a une histoire. C'est incroyable. Franchement, sérieux, c'est au top. Hein. C'est rempli de moustiques, les amis. Je me fais piquer dans tous les sens. Regardez-moi le pont, il est là. Et en fait, je vais passer au-dessus tout à l'heure. Comment c'est mortel. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont bien apprécier la tournure de la vidéo. Oh là là, ça résonne. Vous entendez les grenouilles? C'est vraiment sauvage, vraiment incroyable, franchement, mais regardez-moi ça. Allez, on y va? Tu montes? Tu montes? Allez, vas-y. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, allez, monte, 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 monte. Allez, hop, 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 hop. D'accord, on arrive sur les rails. Ok. Eh ben les amis, on est là. Ah ben, je connaissais pas l'endroit. Incroyable encore. Donc là, en fait, on a récupéré un énorme pont. Ce sont des anciennes voies désaffectées au niveau du train. Bon, ça doit dater quand même. C'est pas... Il y a peut-être encore des trains de marchandises qui passent de temps en temps, mais bon, pour la circulation, il y a des piétons et des coureurs et des vélos qui y vont. Donc bon. Voilà. Mais regardez-moi cette hauteur, cette profondeur. Comment c'est archi beau. Et l'autre côté, c'est pareil. C'est un truc de fou. Il y a des endroits vraiment. Putain, sans déconner, on passe devant. Alors que il suffit de faire des fois 100 bornes ou 200. On a quelque chose de ouf. Sans déconner, franchement, je kiffe ce que je suis en train de vivre là. Après, quand j'aurai plus de moyens, plus de possibilités, tout ça, il y a tellement de coins en France, on peut visiter tout ça. Je pense qu'il va y avoir des bonnes vidéos cet été. Nous avons une péniche là-bas. Un petit pont, on arrive là-bas. Par contre, moi, il y a un truc que je trouve ça ignoble. C'est qu'il y a plein de saloperies là, de jus d'orange, de papier, de masque, sans déconner. Ouais, je sais, on voit mon ombre pour ceux, on peut pas la cacher.
Regardez, un masque tenu avec un caillou, faut le faire quand même. Wesh, les gens, vous avez des poubelles partout ici, ça n'en manque pas. Vous le mettez dans votre poche. Ça m'étonne que ça soit bien contaminé dans le coin, surtout en extérieur. Donc, sans déconner. Les gens polluent la nature alors qu'il y a des poubelles. Ça n'en manque pas, franchement, sans déconner. On va avec Caillou. On décide de tenter quelque chose. Allez, Caillou. On va rejoindre la route. On vient enfin de sortir des bois, des rails et tout ça. Regardez-moi ça, les vieilles ruines et tout ça. On va sûrement y trouver des moulins, des vieux trucs. Super sympa, c'est parti, on y va. Là, on arrive encore à un nouveau pont. Je ne mettrai pas mes pieds personnellement là-dedans parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu les sables mouvants. Alors, encore un petit pont. Là, on sort. Voilà, regardez-moi comment c'est marécageux. Il y a encore des ponts par-ci, par-là. Allez. On y va, on rentre bientôt au camping-car. Il fait quand même une sacrée chaleur. Regardez-moi ça, comme c'est marécageux. Regardez-moi ce pont énorme. Il y a des vélos, les piétons, les anciennes usines. C'est extraordinaire, franchement. Des bateaux, tout ça. Franchement, c'est le top du top. C'est nickel de chez nickel. Regardez, il y a des vélos dans tous les sens et tout, c'est cool, c'est calme. Nous on vient de taper un peu la petite pause là, après au moins 15 km de marche, au moins 3 heures, pas loin. Elle est fatiguée, elle a bu à la fontaine, là, elle n'en pouvait plus. On se pose un petit peu, puis après on reprend, on est à 3-4 minutes du camping-car. Donc ça va, heureusement que le camping-car est bien à l'ombre, que le lanterneau est ouvert, que les fenêtres sont ouvertes, que les moustiquaires sont présentes. Et puis voilà quoi. Pas toujours évident parce que sortir deux chiens en même temps c'est un peu compliqué, mais comme je l'avais sorti au moins facilement 2 heures et qu'on a bien nagé en même temps encore ce matin une fois de plus, depuis 2 jours, c'est la nage partie. Donc c'est cool, c'est cool. Donc je vous dis à tout de suite, on repart au camping-car. Encore un autre pont, les amis.
Il y en a un partout ici. Regardez-moi ce cours d'eau. Dommage qu'il y ait autant de déchets. On est juste à 200 mètres du camping-car. Et encore, on fait des trouvailles incroyables. C'est parti. Oh, écoutez-moi ce son, les amis. Mais restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir tout ça. Oh là là, comme c'est beau. Eh, franchement, c'est reposant, c'est au calme. Il n'y a rien de mieux, quoi. Des petits ponts par-ci, par-là. Des vélos. Des chapelles. Des ponts. Je pourrais écouter ça toute la journée. Ah, Yayou, toi aussi, t'aimes bien. Un petit coucou de la part de Papillon, Papillon que j'ai rencontré à Chalette, dans le Loiret, qui me suit sur mes vidéos sur YouTube. Donc, aujourd'hui, c'était pas prévu du tout. J'étais en train de faire mon montage et une voix m'a prévenu et je me suis dit, mais qui ça peut être? Alors, j'ai eu plusieurs options et j'ai dit Papillon. Et oui. Et donc, en fin de compte, c'était elle. Donc voilà, on a pas mal papoté. Super, super rencontre. Donc c'était cool. Ouais. Ça fait plaisir de rencontrer des chaînes où on est abonné. Et puis c'est vraiment par hasard. Tout à fait. C'était vraiment par hasard. Ça m'arrive pas souvent, surtout qu'en plus, elle a commenté plusieurs de mes vidéos où effectivement, j'étais à Montargis. Qu'elle me disait, un jour, ça serait bien de se rencontrer. Je n'habite pas très loin. Donc du coup, le hasard, c'est incroyable. A bien fait les choses. Voilà. Voilà. Donc et voilà. Et je vous invite à voir toutes ces vidéos. Franchement, elles sont géniales. C'est gentil. On peut visiter pas mal de paysages sans connaître. Et en fait, j'ai découvert le lac là où j'ai rencontré nos bruits, en fait. Et puis voilà. Donc ça permet de voyager à travers ces vidéos. Ben, abonnez-vous. C'est très gentil. Je te remercie. De toute façon, il y a deux vidéos qui vont sortir. Sur le thème du lac, sur le thème de plein d'autres choses, des ruines, des chemins de fer, etc. Je vous laisse voir ça tout ça en vidéo. Et puis, je dis à la prochaine, c'était nombreux. Ciao, ciao. Ça va les chiens-chiens? Ça va, Yayou? Bah oui, tu viens de manger, c'est bien, tu donnes la patte. Bravo. Chang, patte. Eh bien. Donc, notre ami abonné vient de partir. Nous. Eh ben, ça va être l'heure du repas. Les chiens ont mangé. Il faut que j'enlève mon petit tendeur sur les deux portes. Ça peut prévenir. Mais en général, avec le deux toutous, ça suffit. Et mon ami abonné pourra le témoigner dans les commentaires. Voilà, les amis, c'était Nono. J'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. C'était un sacré moment de partage. D'abonnés. Et de ponts, de lacs, de bases de loisirs, de chemins de fer, de balades. On a dû faire au moins une bonne dizaine de kilomètres avec Yayou. Donc je rappelle, c'est la deuxième partie. Il y a une première partie avant de cette vidéo-là. Si vous ne la voyez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Donc j'ai fait la rencontre de Papillon qui me suivait depuis quasiment mes débuts sur YouTube. Très sympathique, très sympa. Quand j'ai entendu nos bruits, je me suis dit, c'est pas possible. Quelqu'un me connaît. Donc du coup, très sympa, on a blablaté et tout ça, machin. Vous l'avez vu dans la vidéo. Très sympa, donc voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. L'été commence à arriver, il commence à faire super chaud. On va pouvoir faire de meilleures balades. Aller à la plage, faire ce genre de choses, pouvoir bouger, je l'espère en tout cas. Et si je ne peux pas aller bien loin, dans tous les cas, je vous ferai découvrir, pour moi et pour vous, des coins, pas forcément paradisiaques, mais des coins atypiques, dans lesquels il y aura des choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Et ça,
c'est ce qui m'importe parce que je suis l'aventurier Nobru et j'aime l'aventure. Allez, à la prochaine sans beauté. C'était Nobru. Ciao, ciao, à la prochaine.